Salut à toutes et pas les fans! Et je retrouve pour l'épisode numéro 25 sur les Sims 3. Et c'est mon chien. Pourquoi? Depuis quand il peut sortir? Attendez, il peut revenir dans la maison ou... Comment il a pu aller dehors? Genre, c'est fermé à clé. Putain, mon chien, il est magique, il peut traverser des portes, c'est trop génial. Et j'ai pris une décision. Pour l'intérieur de la maison, c'est que je vais ouvrir cette pièce-là et la cuisine parce que c'est trop chiant pour le passage avec les chiens en fait. Et j'ai pas envie de revendre les chiens, je les aime bien en fait. J'ai réfléchi après avoir tourné l'épisode et je m'en suis voulu de mes paroles. Non, c'est pas vraiment ça, c'est surtout que ce serait peut-être un peu exagéré de les vendre. Donc je vais mettre plutôt des demi-murs à la place. Pour délimiter quand même un peu, mais voilà quoi, sans plus. Par exemple, un demi-mur jusque là, je pensais. Puis là, oh ben non, même que jusque là, comme ça, ça fait vraiment une délimitation. Au pire, je pourrais mettre une délimitation en barrière. Ouais, non, en fait, je vais carrément. Ouais, non, je vais laisser ce mur, petit muret là. Mon chronomètre est bugué. Et là, par contre, je vais. Je vais faire comme ça, vous savez. Ça fait plus joli, ça fait salon ouvert, et puis il y avait un de mes abonnés qui m'avait dit, je crois même que c'était une fille, je crois que c'était une de mes abonnés qui m'avait dit que salon ouvert ça faisait plus joli, alors bah écoutez, je vais faire comme ça. Et puis là, j'aimerais bien faire, vous savez, hop, comme ceci. Comme ça, ça fait vraiment une, vraiment, je sais plus parler, ça fait vraiment une petite délimitation, et puis ça fait joli, ça fait pas genre, on change de salle. Puis bon, ça me fait penser au, vous savez, aux barres de seuil. Qu'on a aux portes, en bas des portes d'habitude. Voilà, ça me fait penser à ça. Donc bon. C'est pas exactement la couleur que je voulais par contre. C'est loul. Non mais, pardon, mais c'est pas vraiment ça que je voulais modifier, c'est ça, s'il vous plaît. Attendez. Bon voilà, si j'ai pas oublié, normalement j'aurais fait une coupure pour pas que vous me voyez genre me gratouiller l'oreille. C'est pas... Je préférerais gris en fait là. Ouais voilà, gris ça fait mieux. Excusez-moi, mon oreillette est mal mise. Donc ça me fait un peu mal. Mince. Pour pas dire merde, lol. Voilà. Et ce sera plus pratique pour tout le monde. J'espère que la barrière, elle... enfin le petit truc ça va pas gêner. Bon, j'interdis cette chambre aux animaux. Qu'est-ce que tu veux faire, toi? Sors, retourne en bas. J'interdis cette pièce aux animaux. Retourne... Non, on dégage en bas. Parce que tu fais chier tout le monde, là. Fermer animaux. Fermer animaux. Il faudrait rétrécir ta chambre, monstre, hein, pour qu'on puisse avoir un couloir, quoi. Mais j'ai pas envie qu'on la rétrécisse. Ouais, mais enfin, à ton avis, on s'en fout un peu. Bon, par contre, il est 2h du matin et je suis réveillé. Et je sais pas du tout pourquoi. Bon, je bosse pas aujourd'hui, vous me direz. Est-ce que j'ai faim? Ouais. Bah, je vais manger des pancakes. Pancakes, pancakes. Et mon chien fait pipi par terre. Grondé et rustre. Je vais d'abord le grondé parce qu'il est rustre. J'aimerais... Non mais ok, vas-y, mon sim s'immobilise même pas. T'es rustre, c'est mal. Tu peux pas apprendre comme un chien normal, non? Quand je te crie dessus, comme un gros taré. Genre, j'arrête pas de le crier dessus à mes chiens, mais ils veulent pas retenir. Genre, ouais, on s'en fout, on pisse par terre. Il est parti où mon chien? Il est parti dormir dans le sol de bain, ouais. Pourquoi pas? Qu'est-ce que t'as, chien? Tu te sens mal? Oh oui, tu te sens... Oh oui, il faudrait que je vous nourrisse, excusez-moi. Je vais... par contre, j'ai vu qu'il y avait des lampes... des lampes? Non mais... Pff. Des trucs desséchés, enfin morts, donc je vais les jeter. Donc il y avait un truc mort là, je vais rajouter un chou. Enfin une laitue. Pas pareil. Yep. Et voilà. Je crois que c'est tout ce qu'il y avait acheté. Je plante ça. Oh, Maliko, tu vas devoir aller bosser. Donc tu vas manger, puis tu te sens relativement bien. Alors après, tu iras jouer à la console. Et fils, toi aussi, tu devrais aller manger. Tu es en retard à l'école après. Et moi, pendant ce temps-là, je tourne la main. Non, c'est pas ce que je voulais faire. Je voulais ranger les ingrédients dans le frigo.
Faudrait qu'il y ait un truc pour mettre. Genre, on peut pas mettre tous les ingrédients dedans. Non, forcément, je suis obligé de tout mettre un par un. C'est quoi ça? Truffes. J'ai pas planté ça, des truffes. Non, je me rappelle pas avoir planté des truffes. Buisson, buisson, piment fantôme, champignon blanc. J'ai planté des truffes, ça c'est quoi? C'est quoi ça? Et je peux pas savoir ce que c'est, genre, je suis pas capable. Attendez. Mais c'est quoi ça? Je peux pas savoir ce que c'est. Des cèpes. Mais j'ai pas planté. J'ai oublié de planter les truffes. Ok. Bon bah après je planterai les truffes. Ici. Enfin la truffe. Souvent j'en ai pas d'autres. Mon fils est genre trop pas prêt en fait pour aller à l'école. Ah mais non mais ça va, c'est pas le truc d'école. Bon bah Maïko, t'auras pas eu le temps de t'amuser des masses hein, pour le coup. Bon fils, prépare-toi, tu vas devoir aller en cours dans pas longtemps. Il y a un peu le bus devant la maison, roule ton cul. Bon, puis moi, je vais m'occuper du jardin, puis je vais planter mes truffes. Est-ce que je vais fertiliser le jardin? J'ai plein de trucs, j'ai des oignons, mais je peux arrêter de m'éclater comme un gros taré devant. Quand même. Je vais fertiliser tous les... Fertiliser le jardin avec le meilleur fertilisant. Donc comme ça va encore mieux pousser. Mais j'ai pas tout entretenu là, pourquoi je m'étais arrêté? Je suis pressé de gagner mon dernier point parce qu'après je crois que je pourrais planter du fromage et des arbres à simflouze et j'ai bien envie d'essayer. Ça m'intrigue. Mais il y a une nouvelle plante morte. Cette croissance aride. Ouais, elle est morte. Faudrait que je plante une nouvelle vigne. Je vais d'ailleurs le faire maintenant. Parce que sinon j'ai oublié. Vas-y, Belzéphane, va prendre la vigne. Voilà. Ok, bon, je sais pas trop ce que j'en ai fait, mais. Oh, pipi! Pipi! Pardon, c'était alerte pipi. Et après, j'irai finir d'entretenir. Il faut que je retrouve un à entretenir en particulier. Bah, j'en vois aucun, apparemment j'avais fini en fait. Mais non, mais tout ça c'est des plantes qui sont arides. Pourquoi elles sont arides? Bah elles sont peut-être juste mortes. Mais non, elles sont bien. Mais non, elles sont pas arides, attendez. Non, en croissance? Je sais pas. Non, c'est parce qu'elles sont pas encore entièrement poussées. Ouais, ok. Maliko, qu'est-ce que tu fous derrière le garage, sérieux? Bon, Maliko, tu vas rentrer et tu vas jouer à un jeu vidéo. Alors que moi, je vais donner le bain à notre chien qui pue. C'est-à-dire Brocoli, parce que c'est toujours ce chien-là qui pue. T'as vu l'animal? Brocoli, blabla. Ok. Je viens de fail, je sais pas pourquoi. Brocoli, blabla. Bon, allez, viens. Putain, il y a la femme du ménage qui fait chier, là, pour une fois que c'est pas mon chien. Non mais l'autre chien il passe avant alors que je le lave pas, non mais il se fout de la gueule. Putain mais arrêtez de tout se passer dans les escaliers bon sang. Eh non mais il y avait genre le trou de circulation. Non mais sérieux tu peux pas passer par l'autre porte? Sérieux il veut pas parce qu'il veut pas passer par l'autre porte. Ça va encore être marrant de le laver ce chien. Bon. Tu viens de pisser devant moi, t'es sérieux? Ces chiens c'est atroce. Et oh. On est obligé de descendre vraiment pour que je puisse lui l'engueuler. Et toi? Mais vas-y, j'essaie de lui parler. Pourquoi il me répond pas là, ce chien? Enfin, il me répond pas, normal, mais. Bon, et je peux te laver maintenant? C'est possible? Oh ben! Ah bah, pas trop tôt. Ben. Moi je vais faire. Je m'étais gouré de voix. Moi je vais faire mes devoirs. Maman, fais la vaisselle. La lessive. Ouais, la vaisselle aussi si tu veux, mais. Genre je donne des ordres à ma mère puis elle exécute, vous savez. Genre je fais. Maman, fais la lessive, puis elle l'a fait. Je suis trop un warrior en fait. Je suis l'enfant qui martyrise la famille. Pardon, désolé, j'ai tapé un délire avec la voix de monstre. Hop, bon. C'est fait. Faim, on a très faim. On
fous, t'as bien mangé. Bah alors on va manger. Oh oui, merde, moi aussi j'ai faim. Encore du hamburger végétarien? On mange ça tous les jours alors qu'on est même pas végétarien. Et ça fait de bien de voir. Cool ta vie. Ils sont super sympas mes parents. Va récupérer la... enfin, va mettre ça dans le sèche-linge. Et puis... Tu vas aller aux toilettes, prendre une douche et aller dormir. Et ça va conclure l'épisode d'aujourd'hui. Je vais aller aussi aller aux toilettes et prendre une douche. Et puis aller dormir. Et Monstre, il va s'amuser. Pour l'instant. Il va se coucher un peu plus tard que d'habitude. Il va s'amuser. Enfin, un peu plus tard que d'habitude. On dirait quand il se réveille à 4h du matin pour faire du sport. On se demande un peu ce qu'il y a dans le crâne, cet enfant. Il va éponger la flaque. Parce que ouais, là que ça a à faire. Faut dire, tout le monde, tous ceux qui montent les escaliers marchent dans la piste de chien. Donc c'est pas super en fait. Donc bon, hop. Il va... Il a pas d'ordi. Il va aller sur l'ordi de ses parents dans leur chambre. Et il va... discuter avec quelqu'un sur internet. Genre il s'en fout, c'est un warrior. Il a pas du tout peur d'être capté, vous savez. Pas du tout. Il a besoin de vie sociale. Et après il ira dormir. Ah bah il va directement dormir. Et ça va conclure cet épisode là. Et donc je vous retrouve dans la prochaine vidéo ou l'épisode prochain. Bye bye, hop.